qui est remarquable chez lui, c'est qu'il n'a pas fait attention à ce qui se passait dans la musique. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est en dehors un petit peu de tout. Il a fait sa trajectoire tout seul, en dehors des modes, en dehors des courants, en dehors des influences. Il a, enfin, je veux dire, bien sûr qu'il était, il était influencé par les gens des années 50-60, Jacques Brel et compagnie, bien sûr. Mais il s'est tenu, il est resté sur sa ligne, c'est ça qui lui plaisait, il a fait ça. Paris, les années 60. La France s'est relevée de la guerre et le monde est en train de changer. Tachan me dira souvent, à cette époque-là, tu pouvais quitter un boulot le matin et en retrouver un autre le soir. Ah, quelle époque c'était! Il y avait dans l'air comme un parfum d'aventure, tout était possible. Les yéyés arrivaient en France et la mini-jupe faisait son apparition. Et ce n'était pas du goût de tout le monde. À cette époque-là, ça chantait dans tous les coins. Il y avait des cabarets un peu partout. Ça, c'est Suzy Lebrun, la directrice de l'échelle de Jacob. Ils se retrouvaient tous là. Les Brel, les Aznavour, les Brassens, les Tachan, les Béart, les Ferré. Mais on y reviendra plus tard. Celui qui monte l'escalier, c'est Pierrot, Pierre Perret. Il en fera une belle carrière, celui-là. Et il deviendra le grand copain d'Henri. Et voilà Jujube, Juliette Gréco. Elle était déjà une grande vedette. Plus tard, elle chantera du Tachan et il fera sa première partie à l'Olympia. Et ça, c'est moi. 20 ans plus tard, Christophe, 14 ans, en train de chanter du Tachan sur ma guitare. C'est cette année-là que je l'ai vu pour la première fois sur scène. Et je suis devenu fan. Bien plus tard, en 2008, j'ai eu la chance de filmer son concert à Besançon et de réaliser son premier DVD live. Et là, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre pourquoi cet immense artiste reconnu par les plus grands n'était pas inscrit en lettres d'or au panthéon de la chanson française. Tout a commencé ici, à Montréal. C'est ici que le jeune Henri débarque en 1962, à 23 ans, après avoir fait une école d'hôtellerie en France. Il est embauché comme garçon de salle dans cet hôtel, le Ritz. Après son travail, il rentre à pied chez lui à quelques minutes de là, dans une petite chambre située dans les hauteurs de la rue de la Montagne. Un soir, par hasard, il pousse la porte d'une petite boîte qui se situait ici, dans sa rue, à la place de ce parking, la boîte à Clairette. C'est lorsqu'il était au Ritz qu'il a découvert cette petite boîte qui s'appelait la boîte à Clairette, qui était la boîte de ma sœur. Se retrouver là, toute une génération de jeunes assoiffés de poésie, de belles chansons. Et je crois qu'il a trouvé là comme un havre. Il demandait à Clairette s'il pouvait dire ses poèmes. Et alors Clairette lui disait oui. C'est dans cette salle que le jeune Henri, timide, hésitant, lit ses poèmes après sa journée de travail. Un soir, un hasard incroyable va bouleverser sa vie. Dans la salle, un célèbre artiste québécois le remarque, Claude Léveillé. Il lui demande l'autorisation de mettre en musique un de ses textes dans Mon Paradis. Plus tard, en 64, Claude Léveillé chantera cette chanson Place des Arts à Montréal devant 4000 spectateurs. Henri, jeune garçon de salle, est là, très ému. C'est à cet instant précis qu'Henri devient Tachan. Dans mon paradis. Une évidence s'impose à lui. Un jour, il sera chanteur. Dans mon paradis, un jour tu viendras. Il n'y aura ni Dieu, ni diable, ni ange. Qu'une source claire avec du lilas. Et un lit de paille au fond d'une grange. Et petit à petit, il a commencé à chanter. Et je me souviens d'une interprétation, mais vraiment démesurée, mais en même temps qui venait vous chercher
c'était l'ivrogne de Brel. Ami remplit mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais, non, je ne pleure pas. C'était vraiment théâtral et il avait, on sentait qu'il avait déjà Henri, cette dimension de la scène. Henri a 25 ans. Il est passionné de poésie depuis l'adolescence. Il a quelques textes, quelques chansons. Cette même année, une deuxième rencontre encore plus incroyable que la première va le décider à tout quitter, à revenir en France. Et cette fois, pour chanter. Brel était, à l'époque, était un monument de la chanson. Donc, approcher ce genre de personnes, c'était quelque chose de... C'était des gens inaccessibles. Tachan avait un trac. Henri, tu avais un trac, si tu te souviens. Terrible de le rencontrer. Et puis, ça s'est passé, mais vraiment, formidablement. Il disait des poèmes et il chantait. Oui. Et quoi ? Et il chantait du Brel. Fallait être effronté, hein ? Mais ça, ça a plu à Brel. D'ailleurs, Brel, dès qu'il a lu ce qu'il faisait, vu ce qu'il faisait, il lui a dit, il faut que tu rentres en France et que tu ailles te battre. Il y avait Brel, il y avait Jojo, et il y avait tous ces musiciens qui venaient là aussi. Après le spectacle, c'était dîner chez Clairette. Et puis, on a rencontré Tachan là, qui travaillait encore dans un hôtel à Montréal. Et il y avait plein de jeunes qui chantaient, qui venaient. Donc Tachan qui est venu un peu... c'était vraiment tout... À ses tout débuts, il avait une ou deux chansons. Les gens venaient dîner. Et en même temps, il y avait des chanteurs qui défilaient. Et Clairette, qui était la chef, qui chantait aussi. Non, il y avait une ambiance sympathique et on était habitués à être là. Donc on venait tous les soirs. Ça ramenait des clients à Clairette parce que les gens venaient voir Brel dîner. Enfin, ça faisait un enchaînement, tout ça. Ça faisait une bande. La table s'agrandissait de plus en plus. On était une vingtaine. C'était une table qui était réservée pour eux. Ils se mettaient contre le mur, je me souviens. Comme ça, ils gênaient pas les gens qui étaient au milieu, vous voyez. Et ils pouvaient discuter. Mais attention, Clairette était un gendarme, pour Henri doit se souvenir, pour qu'on écoute ces artistes. Et ça, Brel, sans même que Clairette le dise ou quoi que ce soit, Brel avait ce respect d'écouter les autres. Et quand, à la fin de la soirée, dans la nuit, très tard, je me souviens que Clairette, Henri doit se souvenir, car vers 3 heures du matin, quand elle disait « Quand messieurs Tachan et Brel auront fini de refaire le monde, je pourrai aller dormir. » Après plusieurs semaines passées à refaire le monde chaque nuit avec Jacques Brel, Henri vend tout ce qu'il possède pour se payer un billet d'avion et rentre à Paris. À mon retour, je réalise ce que doit ressentir ce jeune garçon de café de 25 ans qui, en quelques mois, a rencontré Claude Léveillé, Charles Aznavour, Jacques Brel et est devenu Henri Tachan, un jeune artiste plein de désirs. J'avais dans mes bagages... 3 ou 4 chansons que j'avais faites avec Claude Léveillé. Claude Léveillé avait fait des musiques sur ces chansons-là. Et j'avais rien, j'avais que des textes, quoi. Alors j'ai commencé à faire des auditions un peu partout. Je suis allé au Club des Poètes, puis j'ai fait d'autres auditions. J'ai fait une audition au Lapin Agile, à Montmartre. Avec des textes, toujours. Et il y avait une fille qui passait, qui était accompagnée par un jeune pianiste. Et quand j'écoutais jouer ce jeune pianiste, j'ai trouvé qu'il avait quelque chose. Je suis allé le voir. Et puis, je sais pas, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble pour faire des chansons. Il a dit d'accord. Il s'appelait Jean-Paul Roseau. Il s'appelle toujours d'ailleurs Jean-Paul Roseau. Et c'est avec lui que j'ai fait mes premières chansons. Quand elle arrive à sa table habituelle, j'ai tant envie d'être sa sentinelle. J'ai tant envie d'être de la clientèle. J'ai tant envie de jeter mes écuelles. Mais je n'ose pas. Mais je n'ose pas.
Suivant les conseils de Brel, Tachan frappe à toutes les portes. Il passe des auditions. Un jour ici, un jour là. Un jour, il s'inscrit à un jeu télévisé. Il ira jusqu'en finale, sans gagner. Mais dans le jury, quelqu'un l'a remarqué. Et cette rencontre va tout changer. Dans le jury, il y avait une chanteuse qui s'appelait Mick Michel, qui a énormément de talent et dont on ne parle plus aujourd'hui. C'est elle qui a écrit « Un gamin de Paris ».« Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Bon, » Elle est venue me voir, elle était accrochée. Elle m'a présenté à son impresario. Son impresario m'a écouté, ça l'a intéressé. Il m'a fait travailler avec Jean-Paul. Quand on a eu suffisamment de chansons de prête, il m'a présenté à Eddie Barclay, qui était le grand Manitou à l'époque. Barclay, il était vraiment accroché. Et il m'a fait faire mon premier disque. À l'époque, c'était à 30 cm. Moi, je débutais, j'étais un bleu beat. Hein. À l'époque, on faisait à 45 tours quand on débutait. Je me souviens, quand le disque a été terminé, il y a Barclay me dit oh, « ça serait bien que Brel fasse une préface, il n'en fait jamais. Hein. » Alors, moi, j'étais pote avec Brel. Hein. Alors, il dit « je vais l'appeler, il était au Canada. » Moi, j'étais en France, ça n'a rien à voir avec cette époque. Moi, j'étais rentré. Hein. Mais lui, il était retourné au Canada pour chanter de nouveau. Bon. Donc, il dit, on va l'appeler, puis on va lui demander qu'il fasse une préface. Je dis, non, pas du tout. Je dis, pas du tout. Vous lui envoyez le disque, il l'écoute. Si ça lui plaît, il fait une préface. Si ça lui plaît pas, il la fait pas. Barclay, on est d'accord. Et donc, il a envoyé le disque, ça a plu à Brel, et il a fait la préface. Mais c'était pas question qu'il... Tu vois que c'est du copinage, quoi, je veux dire. Henri Tachan, c'est un nom inconnu qui, brusquement, est sur toutes les lèvres. Son premier disque, un 33 tours, reçoit à l'Hôtel de Ville de Paris le Grand Prix de l'Académie du disque français. Ses armes, lyrisme, violence, humour, insolence, font mouche à tout coup. Il écrit, il chante à la limite de l'excès, et c'est ce qui fait le grand intérêt de cet éclatant nouveau venu. C'est un événement dans la chanson. Tachan exulte, c'est la consécration. Lui qui était il y a un an à peine serveur au Québec se voit propulsé en haut de l'affiche avant même la sortie du disque. Ce prix ne récompense pas les meilleures ventes, non. Il souligne la qualité de l'œuvre. Emballé par ce succès, en 1965, Eddie Barclay lui fera faire la première partie de Juliette Gréco à l'Olympia. Il avait cette inquiétude ravageuse, ce désir. Cette passion pour ce qu'il faisait. Parce qu'à cette époque-là, c'était ça. On sentait bien que c'était un foyer. Hein. Il avait besoin de dire, il avait besoin d'exister, il avait besoin qu'on l'entende. C'était son point fort, c'était son approche. Il écrit bien, il a un joli style, il a un beau choix de mots. Il a beaucoup de talent, Henri, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est d'autant plus une belle histoire qu'elle n'a pas toujours été un chemin de rose. Je regrette qu'il n'ait pas ce qu'il aurait dû avoir. Et là, il a sûrement des gens qu'il adore, bien sûr, mais pas assez, pas comme j'aurais voulu. Et je pense que peut-être il a dérangé beaucoup. Oui, Tachan dérange. Immédiatement après avoir connu la plus grande joie de sa carrière naissante, Tachan avale sa première arête. Cet album couronné ne sera pour ainsi dire jamais programmé en radio. Tant d'énergie, tant d'espoir, tant d'enthousiasme, et puis le silence. Terrible, terrible. Alors ce disque, il a eu le Grand Prix de l'Académie du disque, et il a tout eu, il a été censuré immédiatement par toutes les radios. C'est pas compliqué, c'est formidable. Tachan combatif réagit en intitulant son deuxième album « La censure ». Titre d'une chanson qu'il portera sur scène tout au long de sa carrière. Elle est malingre, elle est petite, elle boit des grands verres d'eau bénite, tout en feuilletant le glossaire des mots interdits par Dieu le Père. Elle coupe, elle mutile ou elle blesse, ici un cœur, là une fesse. Elle est le chirurgien des rois, l'ambroise parée sans foi ni loi. Sur le corps, elle porte une bure pour cacher ses trésors absents. Sur le cœur, elle porte une tonsure, comme on porte un Saint-Sacrement. La censure, la censure. Pour mieux comprendre ce qu'était la censure des années 60, je prends rendez-vous avec José Arthur, animateur-producteur du Pop Club sur France Inter pendant 40 ans. Le Pop Club était l'émission phare des années 60. Bon,
Alors, oh, la lumière. Enfin, les sous-lignes. On peut parler de la censure, mais de vous à moi, il y en a. Moi, je fais partie des mecs qui marchaient dessus. Et j'ai dans mes papiers, gardé d'ailleurs, des notes avec tel titre est interdit. Le déserteur a été interdit. Je l'ai passé 200 fois. Bon, quand une sauvage a eu la censure officielle sur un papier, Henri Tachant, objectivement, n'a pas souffert de la censure au point de l'empêcher de devenir Jacques Brel. Il n'était pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui le mainstream, c'est-à-dire le courant dominant, quoi. Je ne pense pas que ça soit parce qu'il y avait des ordres qui étaient donnés pour empêcher ce trublion de s'exprimer, non, c'est simplement parce que il n'y avait pas de gens assez curieux pour aller chercher d'autres pépites que ce qu'on connaissait par cœur et ça, c'était bien avant l'arrivée de l'audimat. Alors après, quand c'est arrivé, n'en parlons même plus. C'était l'autocensure à la radio. C'était le producteur timoré ou conventionnel ouvrait le parapluie avant qu'on lui demande. Hein. Mais ce qu'on aimait, c'était que ça bouge. On aimait donner un coup de pied dans la fourmilière. Et les tachants de l'époque nous donnaient des coups de pied dans la fourmilière. C'est ça que j'aimais bien, c'est qu'il est un garçon qui regarde les défauts de la société et que ça révolte. Il est passionné. Ça bougeait, ça intriguait, ça scandalisait éventuellement, alors que c'était simplement de la qualité, quoi. À partir du moment où il condamne les machos, le patriotisme, je vous parle de choses auxquelles on a affaire tous les jours, et ben il y a des tas de gens pour qui ça passe pas, voilà. Il est un peu fâché. Il est un peu fâché tout le temps, après le monde, après tout. Mais c'est ça qu'on aime bien. C'est comme Léo Ferré. Léo Ferré, son métier, c'était fâché. Il était fâché, Henri, c'est pareil. Il y a des franges de vocabulaire où il va trop loin et des idées qu'on lui pardonne pas. On a pardonné à Brassens, on a pardonné à Brel. On a pardonné à Ferrat. C'est très étrange. Ça commence bien et ça se termine pas. On ne devient pas ce que moi je croyais qu'il deviendrait, il ne l'est pas devenu, étrangement. Alors qu'il a une présence, alors qu'il a une force en lui, alors qu'il a tout ce qu'il faut pour. Alors, pourquoi ? Je suis comme Werther, je suis un ver de terre, amoureux des étoiles. Je suis Quasimodo, j'ai ma bosse dans mon dos et dessus une voile. Je suis un scamouche, je suis la pauvre mouche empêtrée dans la toile. Je suis cet orphelin de parents saturniens d'origine animale. Je suis un peu beaucoup, moitié chien, moitié loup, amoureux des renards.